Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Twilight Princess. Et aujourd'hui on continue le temple de je sais plus comment il s'appelle. Le tour du jugement. Tour du jugement. N'oublie pas ce nom. D'accord. Il est très important. Donc on commence le donjon. Tu shoot dans la petite tête d'os. Miam 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 miam. Regarde deux petites têtes d'os. Miam miam miam. Attends, viens là. Ah bah oui, c'est vrai, t'es un chien, t'aimes les os. Bah oui. Trop bien. Alors, c'est le donjon parfait pour toi en là, fait. Là il me faut mon machin du donjon, je l'ai pas encore. Là c'est la clé du boss, mais tu l'as pas encore. Oui, bah, je peux pas aller la chercher, de toute façon j'ai pas trop de choix, hein. Ça va être la porte là. Attends, je peux... Bah non, là je peux pas. Faut que j'arrête de vouloir faire des trucs. T'inquiète, le donjon, t'inquiète. Il me dit, c'est par là, qu'est-ce que tu essayes de faire? T'inquiète, il retirera un jour. En fait c'est pas du tout ça. Je peux descendre. Écoute, n'aie pas peur. Je peux sauter. Et foi en tes... Mais oui, tu peux sauter. T'as vu, t'as réussi. Merci. Oh, t'as vu, t'avais même rebondi pour... Faut juste que tu fasses attention là, vu qu'il y a des, portes, faudrait que tu regardes. Y'a pas des trucs. Parce que je crois qu'il y a des trucs à un moment. Je sais pas où est le garde-coeur par exemple aussi. Bah attends, c'est peut-être lui. Non, ça c'est juste des rubis. Ah non, une petite clé. Bon bah voilà, c'est bon, t'as obtenu ce qu'il y avait dans la salle. C'est bon, tu peux monter. J'étais plus sûr de ce qu'il y avait, mais il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un truc. Pourquoi pas, parce qu'il y a pas de coffre qui s'affiche du tout. Bah attends, tu permets. Oh, je peux aller là. Oh. Tu peux aller là pour je ne sais pas quelle raison. C'est pour faire joli. Tu vas redescendre? Non, mais tu m'as mis le doute. J'ai eu raison, n'est-ce pas? Je regarde quand attends, même. T'es remonté là du coup. Ah ouais, mais il faut peut-être monter plus haut. Non, mais oui, mais il faut monter plus haut, mais c'est juste il que faut toujours aller plus haut. Alors là c'est de là où tu viens, mais du coup, en fait, il fallait descendre tout en bas et pas monter. Oh là là, tu me mets encore dans l'erreur. Mais j'ai rien fait moi. Non, mais t'inquiète, tu sais, je mets tout le temps la faute sur toi pour t'embêter. C'est pas moi qui joue, hein, donc voilà, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la manette. C'est de la faute du chat si tu veux, à la limite. Mais le chat il est même pas là, tu peux pas blame le chat. Mais qu'est-ce qu'il fait à lui? Ils sont revenus. Bon, vous voulez pas que je pousse? C'est pas possible, moi je veux juste pousser le machin. Oh bah il est mort lui. Mais ils sont passés à travers le sol ou ils viennent d'en haut en fait? Je suis pour la théorie qu'ils sont passés à travers le sol. Bah j'ai un peu l'impression que effectivement ils sont passés à travers... Il y en a un qui est passé à travers le sol au moins. Ah oui d'accord, fallait que j'aille ici. Le deuxième je sais pas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu arriver comme ça, de nulle part. Et... Pourquoi il y a un point bleu sur la carte? Attends, on a déjà Kebaba ou pas? Non. Ok, et le point bleu c'est peut-être Kebaba. Où est-ce que tu vas? Je casse les peaux. Ok. Regarde, tu vois, j'avais raison. Ça me perturbe. Tu fais. Oh, regarde, c'est la salle du majordome de Majora Mask. Y'a pas des pics qui vont sortir du sol? Bah, si. Pour ça, je dis c'est la salle du majordome de Majora Mask. Mais n'ayez pas peur. Ah, mais peut-être qu'au début, c'est pas encore activé parce que j'ai pas. Ah, si. Oh, les pauvres casques. C'était le rubis bleu de la partie, mais comme on n'a pas recommencé. Y'a pas eu de voilà. Message. Ah, y'a mes petits amis les rats. Y'a pas que. Bon, faut pas que je reste trop comme ça, parce que sinon... Je vais sauter par mes gardes dans les pics. C'est pas okay. Grave, t'as pas peur des pics. Si t'as pas peur du feu, t'as pas peur des pics. Ok... Oh, une porte. Y'a un truc à tirer. Je voulais casser les crânes, mais ça fait rien. Je fais pas l'attaque tornade. Mais tu t'es fait toucher par quoi là? Je me suis pas fait toucher, hein. Le jeu il ment. T'as perdu de la vie. Le jeu il ment. Attends, tu vois quelque chose là? Tu vois quelqu'un? Tu vois des pics? Je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que je me suis fait mal par ça. Mais j'ai pas eu de réaction. Je ne comprends pas. Ouvrez-moi ça. Courage! Bravo! Qui est presque? Encore un peu et hop. Allez maintenant il faut run plus vite que... Je sais pas du tout dans quel sens je dois partir. Ça va tu vois, t'as pas l'air bien. Les rats vous m'embêtez, je dois passer là. Je vais mourir à cause de vous parce que il veut pas faire la tornade. Mais c'est pas possible. C'est une fois de temps en temps. Mais oui, mais t'as pas eu le droit là aujourd'hui. Je spam B stick en même temps. Et ça fait rien, vous m'embêtez. Mais fais la tornade, bon sang.
Non mais je sais pas pourquoi on a autant de mal à faire la tornade dans ce jeu, je sais pas, dans The Wind Waker, Ocarina of Time, ou Majora's Mask, on a jamais eu de soucis. Je vois pas, il faut faire une rotation mystique du stick pendant que tu fais ton attaque, parce que je suis désolé, je peux pas mieux tourner. On peut pas les enchaîner, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à les enchaîner, sauf de temps en temps. Voilà, là ça leur refait. Regarde, y'a un petit ridette pour toi. C'est peut-être ça qui m'a fait peur tout à l'heure, mais là je suis en train de perdre tout le temps à cause de lui. Regarde, Midona, elle a peur. Je sais pas si je vais réussir. Oh, non, oh dommage, j'y étais presque, mais finalement Link il s'est dit non, non, non. Donc je passerai pas finalement. C'est embêtant parce que du coup j'ai attiré le Redead. Puis t'as d'autres rats sur toi là. C'est vrai. Mais oui. Oh, vous êtes pénible. Allez, fais la tornade. Oh là là, c'est difficile. Fais la tornade. Je sais pas si le Redead il retourne à sa place quand il voit pas que je suis là. Bah non, tu parles, le Redead il fait ce qu'il veut, hein. Bah là, du coup, je fais ça. Là, premier, il est en train de se promener sur la map, oui. Bon, j'en sais rien en fait. Je dis ça. Ne soyons pas pessimistes. Si, non, vois, il a pas là. Bougé, tu vois. Allez, rip. À cause du Redead. Allez, t'as peut-être encore une chance. T'as peut-être encore une chance. Ouf. Tu vois, c'est Matou, elle t'a encouragé. Ah, tu vois, finalement, tu vois, tu te demandais s'il te suivait. Non, non, il est resté à sa place. Il savait que tu reviendrais. Vous en faites pas, les gens. Ah, il y a les cafards. Bientôt. Non, mais faut pas foncer dans les piquants, hein. Je veux pas foncer dans les piquants. Bah oui, là-bas, il y a un truc. Ah, te voilà. Est-ce que tu peux la sortir en loup? J'essaye de faire une attaque tornade, mais... Ah bah là, ça va, t'y arrives. Bah oui, enfin, la tornade, il la fait quand il a envie, hein. Alors, Baba. Ah, ça va mieux. Enfin libre. Oh, c'est toi. Je suis bien contente de te revoir. Ah, parce que tu nous reconnais? Oui, on a la même odeur. Puisque le destin nous a de nouveau réunis, reprenons la route ensemble. Je te suis. Tu dis toujours la même chose. Vas-y, t'aurais pu dire quelque chose, parce que t'as quand même été sauvé par un loup, là, s'il te plaît. Non, mais les loups, c'est gentil. Qu'est-ce que tu veux? Il aurait plus tout manger. Elle aime pas les cafards. Bah oui, bah, et toi, t'aimes bien les cafards, peut-être? Moi, j'aime bien écraser les cafards dans ma maison d'Animal Crossing. Ah, c'est pas quelque chose de bien d'avoir des cafards dans sa maison d'Animal Crossing. En fait, tu es vraiment une très mauvaise... locataire. Oh non, mais c'est parce que... Maintenant t'es propriétaire. C'est vraiment une très mauvaise... Mais c'est pas de ma faute, c'est le jeu. Je viens pas pendant un an dans ma ville, ils pensent que j'ai abandonné et tout. Bah oui, t'as abandonné ta ville, tu sais, de ne pas mettre de produits dans une maison. Il y a les insectes qui font leur toile d'araignée, tout ça. Hein. T'as jamais... Vous êtes des trucs quand tu... Je sais pas ce qu'il regarde, lui, mais... Je sais absolument pas où je vais, hein. Je fais des bêtises, je visite. Hein. Bah t'inquiète, c'est ta première fois dans le donjon, on te laisse, ah, on te laisse, là d'où je viens. On te laisse profiter. Ok, okay, tu t'es fait toucher. Je peux pas y aller parce que. C'est fermé à clé. Ok. Je suis assez grand pour être en dessous. Bah alors oui, c'est parce que j'ai appuyé sur A pour sauter, ça a fait non. Tu as entendu le non? Bah y en a un troisième. Oh, je veux juste voler tuer. Parce que voilà, t'es comme ça. D'ailleurs, votre épée elle est minuscule. Oh mince, c'est vrai, j'ai plus l'objet là. Je vais vous battre avec ma lanterne. Craignez le pouvoir de la lanterne. Attends, mais pourquoi ça fait ça? Tout à l'heure... Ah oui, ok, j'allais dire, donc t'étais bon. Oui, parce que tu dois mettre l'arc avant en fait. Mais j'avais mis l'arc, regarde. Ah, mais t'appuies pas sur R. Non, j'appuie sur L. Ok, c'était R. Bon, attendez, là, vous êtes tous contre moi, je peux pas faire, je peux rien faire. Si, tu peux tous les tuer en un coup là. Ah, oh, t'as pas réussi. Ça ne meurt pas en mais un oui, coup. Attends, lui il a une épée normale. Pourquoi l'autre il avait une petite dague toute nulle? Parce qu'en fait il s'est trompé quand il a ramassé ce qu'il avait par terre. Ok, j'ai ouvert la porte et tout. Bah, et tu vois, il y a encore un petit cafard, hein. Tu vois. Viens, mon ami, nous allons continuer le donjon ensemble. Si ça te fait plaisir. Ah bah, tu t'as shooté dedans. J'ai pas fait exprès. Mais courage, courage, courage. Okay. Oh mon dieu. Il y a un cafard sur moi. Mais non, mais pas encore de cafard sur toi. Maintenant il y en a. Allez, monte. Oh là là, j'appuie sur A, mais c'est vrai que... Mais normalement, t'es censé faire ça en Link Loup, mais toi, t'en as rien à faire. C'est qui, Link Loup? Qui se souvient de Link Loup? Ok. Ouais, ok. C'est nul, hein. Désolé, ma prestation est pitoyable, mais c'est pas grave. Non, mais on va affronter un boss, c'est trop bien. Chouette. Yay! Est-ce que je dois rester en humain? Ah bah... C'est quoi ça? Tu vois, c'est le premier boss que tu peux affronter en loup, alors peut-être que... Ah, ah mais oui, non, bah c'est oui. Vrai, oui. C'est un loup parce que c'est bleu. Je sais pas si tu... Waouh. Je sais pas s'il faut être en loup maintenant, en fait. Comment tu me spoil? Ouais, non. Faut que je casse les cordes.
Mais je te spoil rien du tout. Est-ce que ça se casse au moins? Oh bah t'en as cassé qu'une. J'en ai cassé qu'une, oh mon dieu. Et non, tu vois, il s'est énervé genre. J'ai enlevé un talisman, l'épée va se réveiller. Tu vas oser toucher. Alors attends, un de mes talismans là. Un spectre avec une épée. Je vais affronter fantôme Ganon. Bah oui, il est de partout. Même quand Ganon est pas là. Garde, Link contre une épée. Mais la musique elle est cool, ça va. Pas de musique, tu dis des bêtises. Mais si, elle est cool la musique. Oui, bon, je pense pas. J'aime bien comment tu vises la pointe de l'épée. Ça sert à rien. Bon, il est où le propriétaire? Je suis vraiment obligé d'être en loup maintenant. Ah oui, du coup, là en fait, il y a que l'intro de la musique, il y a pas la musique. Bonjour. Regarde, il est pas mignon ce monstre. Saute! Il n'est pas mignon ce monstre. Attendez, voilà, c'est bon. Je l'ai réveillé. Regarde. Il est cool ou pas? Ça va. Oh dommage, je pensais que je pourrais l'avoir à nouveau. Oh, nous revoilà. Petite interruption. Comment va-t-il? Il a l'air énervé. Je peux plus être en loup. Sûrement, je sais plus en fait. Non mais t'inquiète pas, moi je découvre. Donc. Bon, tu peux arrêter de voler. Ah bah il faut hein. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Non. Allez, là, il a ta portée. Oh, tu fais même pas de coup d'épée, tout ça. Ça sert à rien, qui veut des épées quand t'as des bombes? Bah, mais les deux, c'est bien. Oh, le bon. Désolé si je me suicide en même temps. Habitude de Splatoon et de mes attaques suicides avec mon rouleau. Enfin, plutôt mon pinceau, parce que le rouleau, en général... Je me suicide pas avec. Ah, bien joué, tu l'as eu et du coup il n'est pas content, il va danser. Il va aller au milieu de toute façon. Tu où là? Tu tapes son épée. Bon, t'arrives à taper son épée, tu vois quand même. Hein. Il a réussi à se protéger de tes attaques. Pourtant, je lui ai donné des coups dans le dos. Ah, oh, c'était juste... C'était juste des cafards évolués. Des cafards évolués. Si tu veux. Il est où mon cadeau? Des papillons des ténèbres. Je veux mon cadeau. Le roi... Faut pas que je spoil. Le boulard... Blablabla. J'ai rien dit. Vous avez obtenu l'air rouage. Véhicule à bord, crénelé, utilise dans... Bah, ça tombe bien, tu lui avais dit rouage et pas l'air rouage. Donc ça va, t'as pas spoilé en vrai, en fait. J'ai juste dit roua, qu'est-ce que tu racontes? Roua blablabla. Roua blablabla. Hmm. Ouais. Un objet fort sympathique, n'est-ce pas? Mais il... Ouais. Je finis pas mes phrases parce que je me dis mince, je vais dire des trucs par rapport à la suite du jeu, ça se fait pas. Non, c'est pas mon objet préféré, je préfère l'objet préféré. Mon objet préféré, c'est celui du prochain donjon, oui. Certes. Soit. Ah, c'est trop cool. Vous rêvez de faire ça en vrai. Allez, go! Mais c'est pas le prochain donjon, mon objet préféré. Si, si. Si, déjà? Eh oui, eh oui. Waouh! Tu sais, comme je te connais bien et comme je connais bien le jeu, ben voilà, tu vois. Attends, je veux le cœur. Bon, ok, y a pas de cœur, tant pis. Bah non, c'est bon, tu viens de battre un boss, là, t'as pas besoin de cœur. On sait jamais. C'est okay, bon, maintenant tombé, tu peux faire plein de trucs dans le donjon parce que tu as. Tu vas pas me dire que t'as raté un truc là parce que. En fait, je suis tombé. Il fallait peut-être aller à droite, je crois. Mais je suis tombé. Bon, vous pouvez partir, les machins. Regardez tout ça, j'ai un joli collier scarabée. Je sais pas comment me débarrasser d'eux. Parce que eux, ils montent pas, hein. Par contre, ceux qui sont avec moi. Est-ce que je peux vous envoyer là-bas? Petit à petit. Faut juste que je puisse faire une roulade de la mort après. Oh mince. Bon, c'est bon. Donc oui, je voulais retourner ici. Voilà. Non, je veux pas me changer en loup. Je suis désolée, je me suis trompée. Et voilà. Pour aller chercher. Rien du tout. Bon, bah ça va, il est parti du bon côté. Il n'est pas si bête finalement. Oh, il y a plein de coffres ici. Avec un peu de chance, tu obtiendras ton bonheur. Oh oh. C'était compromis depuis le début. Ah, il est là, le quart de cœur. T'as vu ça? Je le sens là.
Ah, le quart de cœur. Avec ça, tu vas pouvoir te payer un quart de cœur, je pense. Alors, attendez, je regarde. Va falloir monter. Ouais, tu vas trop vite. C'est super cool. Oh, le pauvre. Oh, un coffre. Là-dedans, il va avoir 20 rubis. Oh bah j'espère que non. Et voilà 20 rubis. Oh bah c'est carrément un nouveau. Ça y est, t'as atteint ton 11ème, t'as atteint ta deuxième ligne. Alors ça fait quoi d'avoir atteint sa deuxième ligne? Que du bonheur. Ouais. Je suis pas du tout si je vais ouais. Dans... Je suis dans le mauvais sens. Ouais. Arrête. Ouais. Non. Mais non, mais pourquoi il va là-bas? Je vais aller dans l'autre sens, moi. Bon, c'est dangereux ce que je fais. Tu peux pas réutiliser le rouage, là, dans le sol? Non, j'ai essayé et ça marchait pas. Ou alors j'ai mal appuyé. Ah, j'ai raté. En même temps, t'as pas envie de retourner là-bas, en fait, en toute logique, je crois. Mais je sais pas, il y a des coffres. Je sais pas si c'est utile d'aller les chercher. Ah, tu penses qu'il faut que je me fasse éjecter? Parce que là, c'est dans le mauvais sens. Ok. Bah t'as plus vraiment besoin de trucs là, puisque t'as déjà eu le les deux quarts de cœur. Oui, et la clé du donjon, bah attends, je me suis. Non, t'as pas eu la clé du donjon quoi. Oui, mais la clé du donjon, on l'avait vu. Ah oui, mais faut faire le tour à mon avis si c'est là-haut. Ou alors il faut retourner en arrière, je sais plus. Donc, mon truc, il était pas du tout là en fait. Quoi? Oh mais c'est fermé. Pourquoi? Je suis revenu ici pour rien. Waouh, t'es parti du bon côté. T'as vu ça? Et là, du coup, je vais laisser me jeter pour voir où ça mène. Parce qu'au final, je suis pas allé. Et c'est peut-être la bonne solution. Quoi? Il y a un Redhead là devant. Mais non, c'est pas un Redhead, c'est juste un Stalfos. Insulte pas. Ah, je vois le coffre. Très beau coffre. Ah, oui, d'accord. Le grand machin, c'est juste un petit machin comme ça. Je suis déçu. Bonjour, monsieur, je vais vous tuer. J'espère que vous ne me prenez pas mal. Et là, c'est quoi? La sortie? C'est un moment où tu vas devoir être doué avec l'aérobage. Oh, bah je suis pas doué. Perdu. Mais non, ici c'est la salle d'entraînement en fait. C'est le Colisée, mais en version aérobage. Est-ce que tu penses du coup que ça voulait dire que théoriquement, peut-être les Gerudo se baladaient comme ça avec les avec des aérobages comme ça? Quoi, ils l'ont pas dit? Ouais. Ouf. Ah non mais j'appuie mais il le fait pas hein. Il avait pas envie. Ah la voilà la clé du boss. C'est là que je voulais aller depuis le début. Mais ils ont été malins, ils ont fermé la porte. Pourquoi ça clignotait en noir? Pour te dire que t'as obtenu quelque chose de réellement important. Hop. Allez hop, danse, danse. Ok, faut faire du bouton mashing. Bah oui, faut danser. Pour activer les mécanismes, tu dois danser, c'est normal. Harry, il doit se dire, je suis en train de faire quoi? Et c'est ainsi que je perdis mon aérouage. Au fait, ça n'a pas fini? Bah oui. Pourquoi ça s'est arrêté? J'ai dû appuyer sur B puisque j'ai sorti mon épée. Allez, on re-regarde la cinématique. Mais sans Harry cette fois. Là, j'appuie encore, mais ça sert à rien. Wow. Alors, il est où le... Là-bas. Oh là là, c'est pas vrai. Le rouage, j'aime pas quand il s'arrête comme ça. Allez, faut qu'on aille affronter l'un des boss les plus cool du jeu. Oh. Bah oui, il y a encore un truc au milieu. Oui, oui, mais je vais me jeter de loin. Je crois. Parce que de toute façon, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Oui, voilà. Non, à tonnerre, c'est pas le moment. Ok, je peux pas le faire de là. Oh, t'as failli crier, mais finalement. Pas du tout dans le bon angle. Là, ça rebondit et oui. Finalement, tu t'es dit non, je ne vais pas crier. Ça, Okari ou moi? Ouais, Okari. Parce que moi, j'avais pas du tout l'intention de crier. Ouais, oui, je sais, je me doute. T'as pas eu peur là. Bon, est-ce que je peux m'éjecter d'aussi loin? J'ai peur que si je m'éjecte, je tombe en fait. Mais non, tu peux t'éjecter. Genre là. Bon, t'étais pas assez haut. Oui, ça va loin. Allez, go! Harry, c'est pas du tout ce qui lui arrive. Mais si, regarde. Mais là, je suis trop haut. C'est sûr qu'il faut jeter au bout d'un moment quand même.
Mais non, mais ça va pas en fait. Je veux me jeter en étant sur le rail, mais c'est peut-être pas ça en fait. Mais si, c'est ça. Bah oui, mais ça va pas assez vite. Enfin, ça va pas assez loin. Parce que là, tu me dis c'est trop bas. Pourtant, c'est le chemin qui me semble le plus acceptable parce qu'il y a une plateforme. Eh, c'est pas moi qui dis que c'était trop bas. Je pense... Mais je veux pas. Oh, je voulais descendre du truc. Parce que moi, en fait, si t'étais pas là, ce que j'aurais fait, je te montrer. Oui, bah oui, si t'étais pas là. Parce que tu me dis des trucs, du coup, je fais autre chose en fonction de ce que tu me dis. Donc, si t'étais pas là, ce que j'aurais fait. Déjà, c'est essayer de m'éjecter sans tomber, voilà. Je serais allé jusqu'ici et j'aurais essayé de faire une espèce de roulade. Mais ça aurait pas marché et je me serais dit. Trop nul ce jeu. Oh. Enfin, ça sert à rien, mais. Oh, quand même. Ah mince, du coup, y a... j'ai fait une roulade et j'ai appuyé sur le rouage parce que je me suis dit que ça allait le lancer, mais en fait, c'est vrai que dans le sol, on peut rien faire. Trop nul ce donjon. Bon, 1000 ans plus tard, Lucari tourne autour de ce truc. Que là, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Mais j'ai recommencé en plus. Bah, en plus, j'ai fait un petit pas là, je vais mourir. Peut-être que comme là, ça descend, je vais moins mourir. Bah non. Et Lucari recommence à aller n'importe où. Allez. Il est cassé le stick ou c'est le jeu qui a du mal? Je suppose. Bon alors, est-ce que du coup c'est là qu'il faut se jeter? Ouais. Ah, je crois que j'allais tomber. Allez, tombe. Allez, danse. C'est bien parce qu'on voit absolument pas ce qui se passe. Mais si tu danses, ah, t'as allumé le feu. Car tu as créé un... Un tourbillon de la mort. La spirale de l'enfer. Peut-être que je vais m'arrêter là. Ok. Comme ça, on grimpera cette spirale de l'enfer dans la prochaine partie. Ok, bah salut alors. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt tout le monde. Au revoir.